Je sais pas, Je sais pas. c'est assez. Comment dire? C'est assez salaud de votre part, hein, je dois l'avouer. C'est très très salaud même, je dirais. Comment tu veux survivre face à cette merde? Sérieusement. Le jeu prend un malin plaisir à te troller. Alors là, je vais pas m'amuser à tous les affronter parce que ça va me prendre du temps et des potions pour rien, que je vais avoir certainement. Et c'est ainsi qu'on les troll. Je vais pas redescendre en bas tout de suite. On va déjà voir ce que le dessus nous propose. Ah, rien. C'est un beau début. Des gens qui me tirent dessus, basique. Non, puis je peux pas rester sur un échec là, le truc avec les deux lézards, faut que je le bute. Faut que je le fasse. Je peux pas rester sur un échec, c'est pas possible. Venant de moi, c'est pas possible. Ce serait trahir mes abonnés. Avant toute chose, et si je courais? J'ai pas spécialement besoin de les affronter, juste besoin de ramasser. Quoi qu'il y ait un truc là-bas, ça doit être un PNJ. Attends, je me prosterne devant la puissance de cette bestiole. Bon. Eh ben, je le sens très mal. Non, je vais sprinter, je pense qu'en sprintant, il y a moyen. Façon, si je veux tout ramasser dans le jeu, j'ai pas le choix, il faut que je passe par là.
Allez, je bois un petit peu mon alcool et puis c'est parti. Ouais, si je cours assez vite, je pourrais les contourner sans problème pour ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Ça devrait pouvoir le faire. Je vais essayer un truc que j'ai peut-être jamais essayé jusqu'à maintenant. On va voir si ça peut être utile. C'est pas spécialement utile. J'ai eu le temps de proposer mon serment à cette espèce de machin avant de pouvoir faire ce que j'avais à faire. Oh, je suis trop fort. J'ai eu le temps de proposer un serment à cette espèce de statue avant de me faire bouffer. C'est pas bon ça? Bon, voyons voir ce serment à quoi il concerne. Normalement, je devrais pas me faire agresser comme ça. Alors, j'espère que sur le stream, vous avez pris un plaisir à me voir me faire bouffer avant d'avoir pris mon serment. Je vais voir si les espèces de loups m'agressent si je suis avec le serment de machin là. D'ailleurs, faut que je regarde un truc, parce que j'ai obtenu quelque chose d'important certainement. Restes humains prouvent qu'un fidèle d'Eldritch a rempli son rôle. Bonjour Baptou! Oui, effectivement, ça fait très peur. Ah non, il semblerait que ces saloperies ne m'aiment pas, que j'ai un serment ou un nom. L'enfoiré! Il m'a bouffé sur l'échelle! Bon allez les gens, j'arrête de descendre, j'ai fini ce que j'avais à faire là en bas. J'irai en bas quand... Je serai suffisamment stuffé pour éviter de me faire bouffer. Toute façon, je pense que la vallée où je vais aller, là, ça ressemble beaucoup à ceux qui ont connu Dark Souls 1 à Norlondo. Ouais. Ah ouais, Baptou, one shot. Mais ces saloperies-là, ça fait mal, hein. On dirait pas comme ça, hein.
Bon allez, je redescends pas dans la fosse, hein, je vais continuer mon périple dans la de la mère patrie. Par contre, je vais changer mon serment parce que c'est de la merde. Je vais garder la voie bleue. Comme ça, si un joueur essaye d'infecter ma partie, bah, je peux me protéger. Puis là, il semble qu'il n'y ait rien à ramasser. Là non plus. Ouais, c'est bon, je peux y aller. Comme dans un Orlando, bah tu passes par là. On peut jouer au malin, chevalier, parce que moi je joue au malin ensemble. Je suis désolé. Désolé. Est-ce que je peux passer par là? Ouais. Je peux descendre par là. Eh ben, on va commencer par descendre par là. J'aime bien passer par les petits chemins dérobés avant de passer par le reste. Et je vois que j'ai bien fait. Cendre de l'homme de l'Est. Ouais, ça va me faire des tenues supplémentaires. Youpi! Ah, Norlondo. C'est un bon souvenir de Dark Souls 1, ça. Enfin, je dis ça, mais c'est peut-être pas un Orlando ici, hein. Et là, mon grand. Merci. Alors bouclier. Hop là. Alors pour ceux qui sont en train de regarder mon stream, qui a déjà Dark Souls? Bah, qui a le 3 là? Je suis désolé. Je fais mal avec ma tenue. Mais pourquoi tu dis ça, Babtou? Les Dark Souls sont l'incarnation du bonheur absolu. Le seul jeu où t'es obligé de rager comme un gros porc pour le finir. C'est comme ça que je conçois, moi, la vraie idée d'un jeu vidéo. J'aurais dû fuir par là-bas, je crois qu'il y a un truc bien là. Oh, mon chat. Allez, ce